Et là, on va voir ce qui se fait quasiment de mieux au monde au sol. Marianne Dragulescu, un monument aussi de la gym mondiale. Superbe gymnaste. Champion du monde en titre. Et pour la poutre, l'équipe de Roumanie, de sein numéro 37. Il a régulièrement été sur les podiums. Voilà, double tendu avec vrille. Et ça part très très fort là. Percuté, salto avant, autant. Légèreté, précision. Double vrille tendu, vrille et mise, c'est stabilisé. La réception est parfaitement droite. Alors on a vu un très bon chinois, on a vu un Bondarenko très moyen. À toute proportion gardée quand même. Et là, Dragulescu, jusque là c'est quasiment parfait. C'est parfait, net, précis, posé. Amplitude technique. Alors c'est peut-être une fausse impression Michel, mais les Roumains me semblent déjà très affûtés par rapport à leurs concurrents. On voit, ouais. On a vu Urzica, on voit Dragulescu, on a l'impression qu'ils sont déjà au top ou pas très loin du top de leur forme. En tout cas, c'est ce qui démontre vraiment ici sur le podium. Là, Dragulescu a commis absolument aucune erreur. S'il stabilise sa réception, une full out. Ah, malheureusement, voilà, la petite erreur, elle se situe là. La technique est parfaitement bien maîtrisée. Peut-être un tout petit manque de fond, et encore, ce n'est pas sûr. Ça peut être tout simplement une erreur technique, car le mouvement est extrêmement difficile. Ah, dommage. Ah oui, parce que là, ça aurait presque regardez manqué ici, d'intérêt portrait pour la suite de la saison si à chaque fois il nous passait la même qualité d'exercice. Là, on sait qu'il faut l'attendre sur la sortie de la dernière diagonale. Et cette double vrille ici. Salto dans du vrille ennemi. Et là, en revanche, c'était impressionnant. Oui, c'est très difficile de mettre beaucoup d'amplitude sur ces séries, ce que Dragulescu sait bien faire, et ce qui est toujours impressionnant. Alors revoyons sa finale. L'impulsion, il engage un petit peu tôt. Ça vrille. Dommage, il n'a pas redressé complètement le